bonjour, enchanté. Enchanté Loïc. Vous venez pour le casting des photos, c'est ça? Oui. Vous êtes plus belle en photo, hein? Merci, voici. Merci Photoshop. C'est parce que j'ai mis du Bordeaux. Ça fait blanche. Mais toi, t'es bronzée, franchement, tu travailles pas en fait. Mais tu rigoles ou quoi? Ah ouais, bah la preuve quoi. Non, parce que tu as, tu sais, alors je te l'ai déjà dit, tu as un teint de peau de merde. Voilà, tout simplement. Trois. Bonjour les gourmandises! Les gourmandises. Dites-lui s'il vous plaît encore. Vous savez quoi? C'est insupportable. Bonjour les gourmandises. Oh oui, oh oui. Bonjour les gourmandises. Oh oui, oh oui. Bonjour les gourmandises. On espère que vous allez bien. Nous ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on avait envie de vous faire depuis pas mal de temps. On s'est lancé et... Non, t'avais pas envie. Mais en fait, oui, cette vidéo, j'avais envie. C'est parce que je trouve ça super drôle. Et le grand jour est arrivé, on a décidé de faire ça en couple et je pense qu'on va bien se marrer. Donc en fait, je vous explique le concept, on va vous montrer... On va remonter 12 ans en arrière, parfois même un peu plus. On va vous montrer des photos de nous. La majorité, c'est quand on s'est rencontrés, c'est ça on a dit. À peu près, c'est la période de rencontre, donc il y a 12 ans. Ouais. Toi t'as pris des doses plus vieux que ça, il m'énerve. Non parce qu'explique-leur, en fait on a pimpé un peu l'idée. C'est-à-dire que normalement on vous montre juste nos photos et on les commente là. On a pris entre 8 et 10 photos chacun, donc on les montrera peut-être pas toutes. Et on va faire un peu sur le thème du poker, c'est-à-dire moi je vais en mettre une et Roxane selon la gravité de la photo que je vais mettre, elle après, va je ajuster. Choisirai celle que voilà. Je prends. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que je ne sais pas, d'ailleurs j'en ai vu une, il a pris du dust, pas possible, je ne sais pas quelle photo a pris Loïc et lui ne sait pas quelle photo j'ai prise. En fait on a sorti tous nos albums photos, on s'est mis chacun de notre côté et on a sélectionné chacun des photos. Qu'est-ce que je voulais dire? On s'en fout en fait de ce que je voulais dire, hein. Nana l'a chopé une équerre. Nana, viens lui prendre une. Elle profite quand elle est a chopé là. Une équerre. Je crois qu'on va faire une vidéo sur Nana. Elle a bouffé l'équerre de Mathis. Voilà, il va être content en rentrant du collège. Ce chien bouffe tout sauf les croquettes. C'est... Ouais, c'est... il y a un problème quelque part. On fait un Shifumi pour savoir qui commence à mettre la première photo. Vas-y. En un. Ouais. Shifumi. Shifumi. Oh, oh, allez. Tu commences. La première, c'est pas franchement une photo dossier, mais c'est une photo qui m'a beaucoup ému quand je l'ai vue parce que ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Je sens la blague. Non, non, c'est pas du tout une photo dossier. Ah oui. C'est juste que j'ai du mal à t'imaginer comme ça. Non, mais c'est. Que j'étais grosse. Mais elle était enceinte. Oh là là. Non mais t'as vu le ventre, Nino? Mais c'est hallucinant. Alors là, j'étais enceinte de Matisse. Donc c'était en 2006. Le vieux chouchou dans les cheveux et tout, on dirait qu'on est dans les années 90 quoi. Et donc en fait, donc là vous allez voir la photo. C'est hallucinant. Roxane, elle avait une technique bien à elle pour ne pas assumer le fait qu'elle soit enceinte. C'est-à-dire qu'elle continue à mettre des jeans mais qu'elle mettait avant sa grossesse. Sauf qu'en fait, elle boutonnait pas les boutons et elle mettait une style d'écharpe par-dessus. Et tout le monde me disait, oh, tu rentres encore dans tes jeans. Et moi je faisais, ouais mais grave. Mais en fait, les jeans étaient ouverts comme ça. Genre hyper méga ouverts. Et j'avais mes petits bandeaux autour de la taille. J'ai choisi une photo nostalgie aussi. Tu sais quoi, j'étais jeune là. T'as une tête de bébé. Ah ouais. Avec pas de barbe. Vous avez le piercing dans le nez. Piercing dans le nez quoi. On était parents pour la première fois, alors on en a très rarement parlé sur YouTube. Mais c'est vrai qu'on a été très jeunes parents. On s'est rencontrés, moi j'avais 18 ans. Un peu avant mes 20 ans, on devenait parents quoi. Allez, on va, allez, ça là, bon, ça va. Malheur. Non, ça là, ça va, tu la montres. Le piercing à l'arcade, on en parle ou pas? J'ai eu un piercing à l'arcade sourcilière, c'était l'erreur de ma jeunesse, mais je l'ai gardé super longtemps. Mais moi, tu sais ce qui me choque dans cette vidéo, c'est surtout, et d'ailleurs c'est un cette peu... photo. Sur cette photo. C'est un peu d'ailleurs le fil rouge de toutes les photos, c'est la joie de vivre. La joie de vivre que tu dégages. Non mais c'est exceptionnel. C'est horrible. Ah ouais. J'avais pas de sourcils. T'avais pas de sourcils. Non mais j'ai pas de sourcils. Ouais. Et t'avais cette petite frange quand même. Ouais. Hein, coiffée, t'es coiffée. Oh putain. Mais alors Nino, on était ensemble à cette période, c'était à nos débuts. J'assume pas du tout. Ah, t'étais amoureux. J'assume pas du tout cette période. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment galéré à trouver des photos de Loïc jeune. Mais je suis allée voir Belle-Maman. Non. Belle-Maman a trouvé un petit album, mais rikiki. Et j'ai sauvé une photo. Alors Loïc était jeune. Et surtout, je sais pas, il se prenait pour un petit rebelle. Il jouait un peu les gangsters. Tout est dans la pose, tu vois. C'est, tu t'es pris pour un gangster. Je suis où? Je sais même pas où je suis. Oh putain. Ce qui est bien, c'est que vous étiez en accord dans le style, tu vois. Ouais. C'est. Mais à l'époque, c'était la mode, hein. Très t-shirt large. Puis t'as vu cette coupe? Non, alors, Loïc, les cheveux rasés comme ça, je t'ai jamais vu comme ça. Parce que Loïc parle de ma joie de vivre, mais
Mais pas du tout. Parce mais bébé. Mais c'était une soirée cooling the gang. Du coup, j'étais en mode, tu vois, j'étais en mode un peu, voilà. Et la petite dent de requin autour du cou. La fausse. Nana. À moi. Allez, prochaine. On passe sur, j'en ai deux, je sais pas. Je vous jure, c'est des photos, la plupart là qu'il est en train de montrer, allez. Je le dis pas, mais que j'ai jamais montré à personne, tellement j'assume pas ma jeunesse. Alors, vous savez ce que j'aime en fait en regardant les photos, c'est que Roxane a toujours eu un vrai problème capillaire. Elle a eu beaucoup de soucis au encore niveau maintenant. De la couleur. Et là, celle-là, je m'en souvenais pas. Voilà, Mylène Farmer, je sais pas. Non, mais bébé, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu peux pas montrer ça. Mais si, je peux, mais si. Non, mais. Et alors, toujours, est-ce que je peux préciser quelque chose? La joie de vivre. Mais tu sais ce qui est incroyable? C'est comme j'ai changé de tête. Mais il valait mieux. Parce que... Mais attends, j'ai un t-shirt par-dessus un pull. Ouais, ouais. C'est... Donc je pense qu'en fait, je venais de faire ma couleur. Tu sais, à l'ancienne, quand tu fais une couleur, tu mets un vieux t-shirt pour et, passer et à l'époque. Et t'assumais pas trop finalement. T'as vu comme t'es blanche? Non, mais j'ai le flash de la photo aussi. J'irais mal les ISO, j'ai l'impression, à cette époque-là. Les ISO. Ok, ok. En fait, voilà. Ok, les... ok. Les mots me manquent quoi. Voilà, bon bah à ton tour. Bah je suis beau là. Quoi? Bébé. Mais quoi? Petit, non mais est-ce qu'on en parle du sourcil à la Pascal Obispo? Même si j'en paye le prix. Non mais bébé, tu te faisais pas un trait, c'était un trou que non, t'avais. Le problème c'est qu'en fait j'adorais me faire ce petit trait là, parce que tous mes potes du foot ils avaient ça. Jusqu'au jour où là, bah ça a été le drame en fait. Je me le suis fait et je sais pas ce que j'ai fou, j'ai bougé et en fait je me suis coupé la moitié du sourcil. Ah mais là bébé c'était presque le cas. Franchement je suis pas moche là. Non, t'es pas moche. Ouais. Si regard de braise. C'est un vieux style quoi, c'est ça le truc. Non mais t'es pas moche. Moi je me kiffe là. C'est... Bah tiens, tu pourras te l'accrocher au-dessus du lit. Alors, je sais pas parce que... Allez, ça là. Ça là c'est vraiment regarder. C'est vraiment au niveau de la pose, tu vois. Ça là, moi. Non, ça... j'étais obligée. Non mais c'est pas moi. Eh si. Non mais... Eh si, c'est toi. On peut pas la montrer. Ah, tu la montres. Non, s'il te plaît. Si, 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 si tu la montres. Ah, c'est le... Mais on dirait que j'ai pas de dents. Des... Là, je mets mal en... Non mais là, on dirait que j'ai 90 ans. On dirait que je suis chauve sans dents. Là, en fait, je pense que j'avais c'est... encore mon piercing à la langue. Là, c'est le combo parfait. C'est-à-dire pas de dents, les cheveux rouges, pas de sourcils. Non, là, t'es bien, là. Malade. Mais là, t'es au top, hein. Là, je suis dégoûtée. Parce que t'as pas de photo d'os comme ça. Et celle-là, c'est pas la pire, hein. Je te le dis de suite. Celle-là, c'est pas la pire. J'ai gardé meilleur pour la fin. Niveau dentaire, niveau dentaire, t'es pas mal non plus. Non, là, t'abuses. Mais qu'est-ce que c'est ce masque que j'ai? C'est... je sais pas. Je sais pas si je suis plus choquée entre le masque, les dents, la graine de café autour du cou, les cheveux, les sourcils. Tu sais, t'as un mono-sourcil. Emmanuel c'est Charles. Le truc qui... Ah ouais, non mais... Je sais, c'est un combo parfait. On va dire que là, ben, je t'ai battu quoi. J'en perds les mots là, tu vois, je... Ah, c'est sympa, hein. C'est... Bon. Clairement, il y aura... Loïc Persémo, attention. Il y aura clairement là, un avant et un après... cette vidéo. Cette vidéo, bon, c'est la semaine dernière. Voilà, donc ben là, écoute, j'étais obligé. À un moment donné, tu m'attaques, je suis obligé. Donc... Bon. C'est vraiment parce que moi, ouais. J'ai pas trouvé de photo de toi jeune. Oh, c'est dommage ça. Là, j'avais 16 ans. C'est sympa cette petite coupe là. Alors... Hein? Non mais honnêtement... Alors ce qu'il faut savoir... Ça revient à la mode hein. C'est que... C'est que avant ça, j'avais les cheveux longs en bas du dos. Je suis allée chez un coiffeur. Parce que je voulais juste... À l'époque c'était la mode des cheveux un peu effilés là. Mais moi j'avais déjà les cheveux super fins. Et en fait il m'avait fait des queues de rats. Et pire, il m'avait fait des mèches noires. Et donc qu'est-ce qui s'était passé? Il a abusé quoi. Non mais la vérité. Bah t'as dû couper. Imagine 16 ans, je suis allée chez le coiffeur. Et on m'a fait une coupe de garçon. Honnêtement, Ninou, là... Tu vois que je suis dépitée, quoi. Tu vois ma tête... Aux States, dans les années 70, ils avaient ces coupes, hein. Je veux dire, honnêtement, t'as pas... Mais j'étais aux États-Unis, là, j'étais chez ma mère. Ah, d'accord. Quand ma... Parce que, bon, je vais pas raconter toute ma vie, mais ma mère est partie vivre en Californie, et là, j'étais avec elle en Californie. Le haut est sympa aussi. C'est un... Ouais, c'est... Voilà. Bon. Allez. On s'acharne. J'ai l'impression quand même qu'on s'acharne sur moi. J'ai retrouvé une photo de notre première Coupe du Monde ensemble. Ah ouais? Et j'ai plusieurs petits points qui me choquent sur cette photo. Vas-y. La première chose qui me choque... Les poils. C'est les poils sur les bras. Et voilà, et t'as pas de barbe quoi. Moi je suis plus habituée à te voir sans barbe. Allez ça là, parce que c'est pas la pire. Et c'est la seule où tu souris, vraiment. Voilà, c'est... Celle-là c'est... Voilà.
on sent qu'à l'époque tu regardais pas les tutos make-up sur YouTube. Parce que là clairement au niveau du visage il y a un problème de maquillage. Non mais ce qu'il faut savoir c'est que j'ai toujours été un garçon manqué. J'ai jamais été vraiment, ça fait pas longtemps que je me maquille vraiment. Non, puis les poils sous les bras, tout ça, c'est un bonhomme Bretagne quoi, c'est... elle est là quoi. Non, ok, c'est... alors j'étais, je me souviens exactement de cette photo, j'étais enceinte de 9 mois de Mathis, j'allais accoucher. Et ah, j'avais oui. l'acné, alors j'ai jamais eu de bouton de ma vie, jamais, jamais, encore maintenant j'ai de la chance, je touche du bois. Ouais, à part sur les pieds, mais c'est... Putain, mais arrête. Et en fait j'ai fait un acné vraiment d'ado à la fin de ma grossesse. Non mais tu t'en rappelles bébé, c'était horrible, j'avais des boutons comme une adolescente. Mais après j'étais la même personne que maintenant, c'est juste un visage qui change quoi. Exactement mon Nino. Et une joie de vivre un peu effacée quoi. Voilà, c'est ça, franchement t'es la même personne là. T'as changé un peu quand même. Allez. Bon mais Loulou, on va en sélectionner une dernière. On en avait peut-être prise trop. Oh, j'arrive plus à parler Nino. Mais t'as jamais réussi à parler Nino. Bon allez Loulou, on vous en sélectionne une dernière parce qu'en fait on en avait pris trop. Donc le contexte de la photo, c'est Roxane était aux États-Unis. Et la meuf, elle s'est prise pour une américaine quoi. C'est... ah ouais, c'est là, ça là. Je l'ai même pas vu que c'était Roxane au début sur cette photo. Non. la... Les cheveux, les lunettes, c'est là, bon, on finit en apothéose, quoi, là, vraiment... T'es vraiment pas cool. Ah, ça, ah ouais, là, quand même, là, c'est... Là, c'est la couleur de peau, les cheveux, les lunettes... Là, Ninou, t'es... Ma maman, elle est belle. Ouais, heureusement qu'elle est là, parce que... Ah non, mais là, ouais, je suis pas au top de ma forme, quoi. Tu sentais surtout la fielle, elle est pas à la plage, quoi, parce que là, vraiment, c'est... Donc mes chatons, je suis un peu déçue, j'avais pas de gros dossier sur Loïc, autant aussi gros que ce qu'il en avait sur moi. J'avoue, il a envoyé du lourd. Donc si vous êtes hyper méga giga chaud pour un numéro 2, faites-nous le savoir, explosez les... pouces bleus. Les commentaires, nous vous fait une avalanche de gros 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 bisous d'amour. Je vous aime les loulous. On vous aime. On vous aime. Mouah. Arrivederci. Ciao, ciao la femme translucide. Tu m'as fait pas. Mais c'est les cheveux qu'on frotte, tu m'as frotté l'œil.